Voilà, bonsoir mesdames, mesdemoiselles, messieurs, bonsoir, Abilaye Camara, depuis Bruxelles, chers compatriotes guinéens. Bon voilà, nous sommes vendredi, chers compatriotes guinéens, 29 septembre 2000, plutôt le 1er octobre 2021, chers compatriotes guinéens. Très bien, donc j'interviens, comme je l'ai annoncé d'ailleurs sur mon profil d'actualité, j'ai un thème sur la Guinée, la politique guinéenne, n'est-ce pas? Actuellement, nous sommes dans la transition politique, nous l'avons toujours souhaité. La transition, elle est là, chers compatriotes guinéens. Alors, mon thème d'information, un premier faux pas, en fait, du CNRD, du Comité national, et disons, du Rassemblement de Rassemblement, en fait, et du Développement. Son premier faux pas, après, donc, cette prestation de serment, donc, de ce vendredi 1er octobre, chers compatriotes guinéens, voilà. Donc, c'est mon titre d'information que je vais donc essayer de développer très brièvement, chers compatriotes guinéens. Très bien. Alors, d'ailleurs, vous connaissez ma position. Alors, je dis toujours, je l'ai toujours dit que la transition militaire, il le faut en Guinée. Pour que nous puissions atteindre cette Guinée rationnelle, il faut une transition militaire, n'est-ce pas? Il faut l'armée qui frappera sur la table, en fait, les armes dans la main. Pour redresser la situation, n'est-ce pas? Et une fois la transition terminée, et puis voilà, il est clair et net qu'aucun civil qui viendra au pouvoir se permettra en fait de pagailler avec la chose déjà établie. Donc, je donne toujours donné l'exemple, j'ai pris l'exemple sur General Rawlings au Ghana et même au Niger, n'est-ce pas? Les militaires sont venus, ils ont en fait essayé, ils ont mis sur place des structures politiques solides, et après, voilà, tout va normalement. N'est-ce pas? Alors, la même chose avec la transition militaire actuellement en Guinée, avec Colonel Mamadi Doumbouya. Voilà, j'ai toujours dit que j'ai confiance en ces hommes qui vont effectivement, en fait, faire comme il le faut, et pour que finalement, plus jamais la Guinée, en fait, ne rencontre des crises politiques très profondes, n'est-ce pas? Liées à, disons, au manquement des lois. Très bien, cher compte. Alors, je dis bien mon titre d'information, je dis bien un premier faux pas ou le premier faux pas du CNRD, des explications, cher compte. Très bien. Alors, aujourd'hui, il y a eu donc cette prestation de serment du colonel Mamadi Doumbouya, chef de l'État. Très bien. Alors, prêter serment, alors, c'est, vous le savez, autant que moi, c'est une forme solennelle, une affirmation solennelle pour dire, bon, écoutez, chers compatriotes guinéens, voilà, je suis là, je prête serment, une manière solennelle de dire, bon, écoutez, je serai sincère dans ce que je fais, je serai honnête dans ce que je fais, je respecterai, en fait, les règles, disons, pendant tout mon travail, n'est-ce pas? C'est ça qu'il est question, prêter serment. Alors, il est question de prêter serment sur la charte du CNRD. N'est-ce pas? À ne pas confondre avec la Constitution. N'est-ce pas? Cette charte est un règlement intérieur donc du CNRD qui prête serment de respecter dans l'honnêteté, dans la sincérité, en fait la vérité. N'est-ce pas? Ou l'engagement donné, de respecter strictement cet engagement donné. Il est question de cela. Donc c'est un règlement intérieur, cette charte, ce n'est pas un texte de loi. N'est-ce pas, cher Bordelinien? Très bien. Alors, moi, le problème ici, que je trouve comme un faux pas, alors, il est question de ce règlement intérieur. Mamadi Doumbouya vient pour prêter serment, pour dire à toute la Guinée, écoutez, moi, je vais, honnêtement, je vais faire ce travail, je vais respecter ce règlement intérieur que nous avons. N'est-ce pas? Je le fais dans l'honnêteté absolue. C'est bien. Alors, moi, la question ici, dans cette charte-là, nous savons tous qu'elle est incomplète parce qu'il y a un élément important et qui n'y figure pas. Et ça, c'est important pour toutes les transitions. Surtout qu'il est question d'une transition structurelle, en fait, urgente, exceptionnelle. La durée, elle est importante, effective. Il faut ça. On doit savoir la durée d'une transition. N'est-ce pas? Alors bon, on me dira, bon, dans cette charte, il est mentionné que des forces vives se rencontreront ou seront autour de la table, je ne sais pas, par quelle manière, un référendum ou quoi, ces forces vives vont essayer de trouver, disons, la durée exacte de la transition. N'est-ce pas?
Ok, c'est mentionné, c'est signalé dans cette charte-là. Alors, mais moi, la question que je me pose, alors pourquoi précipiter les choses? Pourquoi prêter serment aujourd'hui sur une charte qui est incomplète? Pour quelle raison? Pourquoi ne pas attendre? Attendre que les forces vives finissent, en fait, leur rencontre, trouvent une durée de la transition. Parce que comme ça, moi, je me dis, alors il faudrait en ce moment, pour une deuxième fois, prêter serment. Mais c'est vrai, parce qu'il y a un élément fondamental qui est absent dans cette charte. C'est la durée de la transition. Mais c'est vrai, il faut la durée. On doit savoir la durée. Vous êtes là pour combien de temps? 1 an, 2 ans, 3 ans? On doit le savoir. On doit le savoir. Alors, c'est mentionné dans la charte que les forces vives vont travailler là-dessus. Alors, attendons que les forces vives fassent ce travail-là. Ensuite, M. Mamadi Doumbouya peut facilement venir prêter sur une charte en ce moment complète, sans aucun doute, parce que là, il y a des doutes. N'est-ce pas? Nous voulons la Guinée rationnelle. J'ai toujours dit il faut la Guinée rationnelle, mais il faut passer par une junte militaire. Il faut l'armée. L'armée a les armes, n'est-ce pas? Porte les bottes, n'est-ce pas? Et pour, en fait, imposer ce qu'il faut, parce que les Guinéens, il y a ce qui manque, il y a la rigueur, la fermeté, n'est-ce pas? C'est ça le problème fondamental de la Guinée. La rigueur dans le travail. Le chef, je dis bien tout, c'est au niveau du chef, le chef n'est pas rigoureux. Il n'est pas ferme. Et s'il manque la rigueur chez le chef, eh bien, voilà, c'est la pagaille, comme on a remarqué avec l'ensemble à Conté, avec Alpha Condé. Mais c'est la même chose, pas de rigueur. N'est-ce pas? Voilà, donc atteindre cette Guinée rationnelle, il faut se lâcher le combattant guinéen. Et la confiance n'exclut pas le contrôle, ni les critiques. J'ai confiance en Mamadi Doumbouya, j'ai confiance en cette transition, en fait, militaire. Mais écoutez, cela n'exclut pas le contrôle, ni les critiques. Et quand il y a un problème, qu'on le signale. Je vais le signaler. Il y a un faux pas, c'est un faux pas, c'est pas bien. N'est-ce pas? Alors on dira, mais écoutez, c'est trop tôt de déterminer la durée. Mais c'est pas tôt, hein. Disons, le coup d'État, c'était depuis le 5 septembre. N'est-ce pas? Alors, ce n'est pas si tôt. Écoutez, quand il est question de refondre tout en Guinée, comme Mamadi Doumbouya l'a dit, refondre tout, ce sera une refondation totale. Mais écoutez, précisons les choses, Mamadi Doumbouya. J'ai dit l'autre fois qu'il est question, il y a un autre train qui a déraillé. Avec Alpha Condé, le train a déraillé, en fait, concernant notre processus de démocratisation. N'est-ce pas? Quand le train déraille, Alpha Condé a fait dérailler le train, alors il y a une junte militaire qui vient pour remettre le train sur les rails. N'est-ce pas? Et ce travail-là, je dis bien, ça ne doit pas prendre assez de temps. Et ce travail, il faut que ça soit précis. Il est question de remettre le train sur la rail. Il est question, parce que le problème fondamental de la Guinée, je dis bien, nous ne respectons pas les lois. C'est là le problème fondamental. On n'a jamais vu un chef sérieux, un chef honnête en Guinée. Aucun président n'a été honnête, sérieux en Guinée. Mais ça, c'est clair. Et c'est là le fondamental. Alors, Mamadi Doumbouya qui vient pour remettre le train sur les rails, il doit prouver également que maintenant, il est venu pour que finalement, cette histoire des chefs qui ne respectent pas, en fait, qui ne sont pas rigoureux, qui ne sont pas honnêtes, que ça, nous laissons ça derrière nous. Il doit, c'est seulement ça. Et là, il faut élaborer une constitution, n'est-ce pas? Une constitution qui sera là, les institutions, les renforcer et surtout frapper sous la table le temps qui sera donné que finalement, la constitution que nous élaborons, n'est-ce pas? Quand les militaires vont quitter, celui qui viendra obligé de le respecter. N'est-ce pas? Dans cette transition structurelle, en fait, exceptionnelle, on aura une armée républicaine. Aucun président, finalement, ne viendra pour dire, bon, écoutez, je vais changer, en fait, une partie de l'armée, je vais changer les forces d'état-major de l'armée, mettre mes hommes qui doivent obéir à mes ordres, quand peut-être j'aurai besoin de changer la constitution, alors j'aurai ces hommes. Non, ce sera plus ça. On veut une structure politique solide. Aucun président ne viendra, bon écoutez, je dois changer l'armée, je dois faire, je ne sais pas ceci, cela, non. N'est-ce pas? L'armée sera là pour défendre la Constitution. L'armée jurera seulement sur la Constitution, chers combattants guinéens. C'est là le but de cette transition structurelle exceptionnelle de Mamadi Doumbouya. N'est-ce pas? Alors, prêter serment sur un règlement intérieur, sur lequel le CNRLD dit en fait de respecter scrupuleusement, n'est-ce pas?
être sincère, de, en fait, tout faire dans l'honnêteté totale, en suivant la vérité. D'accord, mais il y a un élément fondamental qui est absent dans ce règlement intérieur, la durée de votre transition. Quelle, la, c'est très important, on parle d'une transition. La transition, partout ailleurs, l'élément fondamental d'une transition, c'est-à-dire, on dit, c'est de la transition structurelle exceptionnelle. N'est-ce pas? Ça doit prendre combien de temps? C'est toujours la première question qu'on pose. Ok, d'accord, l'armée vous est arrivée, mais c'est pour combien de temps? Ah, l'armée vous est arrivée, mais c'est pour combien de temps? Hein, on a entendu CDAO parler du même de 6 mois. On a dit, mais écoutez, ce n'est pas raisonnable. 6 mois, ce n'est pas possible. N'est-ce pas? 6 mois, non, ce n'est pas raisonnable. Alors, de toute façon, la question fondamentale, ça se pose toujours. Vous êtes là pour combien de temps? Cher Mandarinien. Alors, moi je pense que c'est un faux pas, en fait, disons, du CNRD, la transition militaire, arrivée au pouvoir depuis le 5 septembre, c'est un vrai, vrai faux pas, c'est vrai, et ça crée également des doutes, écoutez, il faut le dire, des doutes sur le travail que doit mener, en fait, cette transition. Mais c'est vrai, on doit connaître la durée. Alors, mais qu'est-ce qui empêche de donner la durée? Hein? Ce comité a été capable de créer des initiatives, rencontrer toutes les forces vives de la nation. Tout le monde, tous ces gens sont passés auprès du peuple, consulter tout le monde. N'est-ce pas? Avec la sagesse qu'il faut. N'est-ce pas? Mais qu'est-ce qui empêche ces gens de trouver donc des experts qu'il faut en la matière? Écoutez, pour effectivement voir le problème qu'il y a, parce qu'il est question d'établir, en fait, de créer une constitution qu'il faut, de créer un contour, disons, sérieux. Parce que le problème, c'est là, il dit bien le respect de la chose publique, créer ce contour-là, mais c'est tout. Et c'est là, on n'a pas besoin, écoutez, de prendre du temps pour fixer la durée qu'il faut pour la transition, cher compatriote guinéen. Ce n'est pas possible, n'est-ce pas? Très bien. Alors, il y a eu prestation de serment sur le règlement intérieur. Aujourd'hui, il y a un élément qui manque, la durée de la transition. Alors, dans la charte, on dit que, voilà, il y a les forces vives qui vont fixer cette durée. Quand? Alors, ça veut dire que quand cette durée sera connue, Mamadi Doumbouya doit encore retourner au palais pour prêter serment sur, cette fois-ci, l'élément effectif, en fait, de ce règlement intérieur, je comprends bien. Voilà, je dis bien, la confiance n'exclut pas le contrôle. C'est une critique conseil, n'est-ce pas? C'est un faux pas, il faut le dire. C'est un faux pas. Alors, il ne faudrait pas qu'il y ait d'autres faux pas. Alors, plus de pas, plus de faux pas, plus de faux pas. Finalement, on ne se retrouve pas. Et là, ça va commencer ce qu'on appelle la gouvernance à tâtons. Là, écoutez, nous n'en sommes pas là encore. J'ai confiance en cette gente. Cela ne m'empêche pas, en fait, de faire des critiques positives sur le compte de l'Union.